Just wanna be with you. King of glory, fill this place.
Pastoral, au nom du comité de l'Église, au nom des diacres, etc., et toute leadership de l'Église, la net, nous voyons les condoléances, nous, by la famille Sœur Rosemary. Nous connaissons une circonstance qui est douloureuse, parce que nous tous nous passons par là déjà. Nous tous nous expérimentons. Et départ de un monde nous remet, tout le monde. Et malgré nous faire plusieurs expériences, vide la pas jamais qu'à combler, nous pas jamais fin habitué avec ça. Toujours il y a des larmes, toujours il y a des pleurs, et parfois, nous étions à nous poser des questions qui importent cela. Parce que, qui ça nous fait en réalité? Nous venons, nous prenons naissance, nous grandissons, nous marions, nous faisons petit, travail dur, et puis ça crive, et puis la mort vient. C'est pourquoi, pendant que vous avez questionné sur le but de la vie, pour qui ça vive, pensez à bon Dieu qui baille la vie. Il n'y a pas rien pour grand Messie. S'il baille la vie, c'est qu'il y a une raison pour lui. Je demande pour nous penser à ça sérieusement et offrir Christ la vie, nous, si nous pouvons faire ça. Parce que tant coûte, comme si nous, qu'on est habitué à aller dans le cimetière, nous avons remarqué ça, entre deux dates, un petit trait d'union. Ça est très significatif. Juste pour dire nous que la vie a coûte, elle est fragile. N'importe ce qu'on va faire, fais-le vite. Maintenant, de nous, dans un moment ça, peut-être c'est dans le dernier temps où on vient, qui est-ce qui connaît? Nous aimons faire ça, nous aimons les gens, les amis, les familles, nous passer, nous venons dans l'enterrement, et ça a toujours frappé nous. Donc après ça, nous oublions, si nous avons vie pour vivre, nous vivons n'importe qui gens, nous oublions bon Dieu qui ôte la vie. Même demander nous, je dis, que nous sommes capables un jour décisif pour nous prendre décision, pour nous servir bon Dieu. Pour nous dire merci pour tout ça le fait. Parce qu'on ne connaît pas qui ça next minute là,
next heure là, next jour là, ou next mois, next année à poté. Que bon Dieu fait nos grâces et encore une fois, nous dit du courage à la famille qui a éprouvé pas de ça et à nos toutes amis et l'autre qui sortit de loin ou de près. Que bon Dieu est capable de réconforter nous, que bon Dieu bat nos forces. Et l'Église baptiste de la Nouvelle-Jérusalem souhaite-nous du courage. Merci. Nous disons merci à Pasteur Sylvain pour ce mot d'encouragement. Et nous allons commencer ce service-là. On a entonné le cantique que nous trouvons dans 260 français, chant d'espérance. Oh, quel beau jour devant la passe. Et je dis, moi, je vais faire qu'on a célébré la vie de la sœur Rosemary Louise Louis. C'était une grande dame dans le marchand. Peut-être nous-mêmes qui sortons là, ou qu'on est qui vient de mon lit. On va te voir nous ensemble pour être capable de célébrer la vie de cette dame. Oh, quel beau jour devant sa voix, en ce tout tâche d'apparaîtront, en célébrant ta gloire et ta grâce, de leur chant les cieux retentiront, nombreux comme le sable des plages. Comme le sable des plages, oh que ce sera beau lorsque nous irons là-haut, aussi nombreux que le sable des plages. Je la vois cette armée.
à nous prier. Grand Dieu, nous louons, nous exaltons. Matin, nous là, dans un moment spécial pour nous célébrer la vie de Sœur Rosemary. Dépasse ça, cher Seigneur, ou quoi, ou est, comment l'affecter famille, comment l'affecter tout le monde qui était près, tout le monde qui était loin, qu'il fait un impact dans la vie. Et nous prions surtout dans le moment ça pour ce nous. Ou connaît comment ce Berlin affecté. Ou connaît comment état d'âme lié. Ou connaît comment lié physiquement, comment lié émotionnellement, comment lié spirituellement, surtout dans le moment de tristesse. Ou même qui c'est Dieu consolateur, nous demandons par grâce, par compassion, ou gagner tant pour grand Dieu, consoler famille, supporter famille, suivre donnant Dieu famille. Nous connaissons aussi un Dieu de consolateur, aussi un Dieu qui a compassion. Tant pour cher Seigneur, fais famille en senti présence, surtout dans le moment ça. Présence qui est indispensable, surtout dans le moment ça. Réconfortez, cher Seigneur. Fais songer aux promesses que vous faites avec les gens qui mourent, qui étaient dans Christ. Pour tout ça, encouragez les familles. Dans le moment où vous criez, dans le moment de chagrin, dans le moment de deuil, mais pour rappeler les promesses que vous avez faites aux gens qui connaissent Christ dans la vie. Pendant que vous êtes vivant, cher Seigneur. Na prio, mettez la paix, mettez cœur posé dans la vie, famille ça, dans toutes circonstances, dans toute occasion, dans toute peine, dans toute difficulté, mais prio connaît que ou même ou c'est un bon Dieu qui va cœur posé et dans la vie chaque jour pratiquement va faire ressentir la paix ça. La paix ça qui est différent de toute paix. La paix ça qui réconforte. La paix que vous bail cher Seigneur. N'a prio, tant pri. Et dans moment ça rappelez pour reposer sous promesse, pour reposer sous espoir, sous espérance que vous bail avec monde qui chrétien. Et ça a aidé cher Seigneur non à travers moment ça. L'école diminue, les visites diminuent, mais nous connaissons, nous sommes toujours là avec vous, cher Seigneur. Nous sommes toujours là pour réconforter vous. Nous sommes toujours là pour reconnaître que vous êtes Dieu d'éternité en éternité. Vous êtes Dieu qui est en contrôle de toute situation, de tout moment, de toute occasion ou en contrôle. Pas de rien qui passe au-dehors de présence, cher Seigneur. Na prio pour tout ça qu'a fait dans service là, tout ça qui vient pour dire, tout déroulement service là, tout processus, tout bagage net pour en contrôle, cher Seigneur, parce que vous faites nos promesses, vous êtes toujours là avec nous, vous êtes toujours là avec nous dans tout moment, dans toute période, dans toute circonstance, cher Seigneur. Et moun qui pas connaît Christ, c'est pour moi ça une occasion pour réfléchir sur la vie, pour connaître que la vie a coûte, pour connaître que destination, qui côté vous pour aller. Est-ce que vous avez accepté Christ comme sauveur ou bien est-ce que vous n'avez pas accepté Christ? Et les gens qui ont Christ qui l'assemblée, pour prendre l'occasion ça, pour prendre l'opportunité ça, pour accepter chez Seigneur selon volonté. Grand Dieu, nous avons prié, nous avons adressé la prière ça. Nous adressons une requête ça au nom de Jésus-Christ, lui-même qui vivant au siècle des siècles. Amen.
Okay, we're going to proceed with the scripture reading that can be found in Psalm 23. Vraiment des assemblées à mettre debout pendant que Félix tout ça pour va suivre avec nous. We're going to do it in English and you guys can follow along. The Lord is my shepherd, I shall not want. He maketh me to lie down in green pastures. He leadeth me beside the still waters. He restoreth my soul. He leadeth me in a path of righteousness for his name's sake. Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for thou art with me. Thy rod and thy staff, they comfort me. Thou preparest a table before me in the presence of mine enemies. Thou anointest my head with oil. My cup runneth over. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. The word of the Lord. You may be seated.
Good morning. So I'm going to read the obituary for the beautiful late Rosemarie Louise Lewis Augustine. She was born April 3rd, and she passed away March 16, 2024. Rosemarie was born to Silvica Lewis and Joseph Lewis in Marchand des Salines, Haiti. Rosemarie was the second oldest. She had two brothers and one sister. She married at the age of 39 to Wilbur Augustine. They had a beautiful daughter named Berlin Augustine. Rosemarie came to New Jersey in 2017. She was so excited to be reunited with her daughter, Berlin, and meet both her grandsons. She was also excited to see her brother and sister, nieces and nephews for the first time. Rosemarie represents strength, grace, and committed devotion in every aspect of her life. Born into a humble family, Rosemarie's journey is a testament to resilience and determination. As a young woman, Rosemarie embraced her role with great favor. As a devoted wife to her husband, Wilbur Augustine, who has long left us, she exemplified true love and support, standing by her husband's side through every challenge and triumph. Their bond served as a cornerstone of stability and warmth within the family. Rosemarie's greatest joy and purpose came from her role as a mother. With boundless love and wisdom, she nurtured her daughter, Berlin, as well as her stepchildren, which includes Claudine Augustine and Stella Augustine. She instilled values of kindness, perseverance, and compassion. Her unwavering dedication to their well-being shaped them into remarkable individuals, guided by her example of strength and integrity. Beyond her family, Rosemarie's faith was a guiding force in her life. A devout woman with a deep reverence for God, she found solace and inspiration in her religious belief. As a religious leader within her community, Rosemarie shared her faith with others, offering guidance, support, and confident presence in those in need. In addition to her religious pursuits, Rosemarie was dedicated to her church, where she served as a secretary and community organizer. She also assisted the pastors and missionaries when they came into town. With a heart full of empathy and passion for service, she tirelessly worked to uplift and empower those around her, whether it was organizing a charitable event, advocating for social justice causes, or providing assistance to the less fortunate. Rosemarie's impact reverberated throughout her community. Through every role she embraced, Rosemarie represents strength, love, faith. She shined brightly, leaving an indelible mark on all who had the privilege of knowing her. As a wife, mother, religious leader, and community organizer, she embodied the essence of a truly remarkable woman, leaving behind a legacy of love, compassion, and unwavering devotion. Rosemarie is survived by her daughter, Berlin Augustine, stepdaughter, Claudine Augustine, her brothers, Raul and Emmanuel Lewis, and sister, Christiane Lewis. She is also survived by her grandchildren, Ridley and Rudolph Benoit, Kevin, Kayla, Emmy, Christelle Augustine, also her nieces and nephews, Naomi, Nancy, Nelson, Janelle, Perry, Rochelle, and Acacia Lewis. Rosemarie also leaves behind a host of great nieces and nephews, friends, and extended family members. We will always carry your memory in our hearts. Thank you all for all your kind words and acknowledgments. Mesdames, Messieurs, bonjour. Non, moi, c'est Claire Dino Augustin. Et Marie-Louise, j'ai une pile signification pour moi dans la ville. Non seulement Marie-Louise, signification pour moi, c'est une maman pour moi, c'est une belle-mère pour moi, c'est une ma tante pour moi. Mais sinon, moi, elle qui est très, très important pour moi, c'est ma tante. Marie-Louise, t'es mariée avec papa moi, Wilbert Augustin, que depuis moi, le petit monde, moi, je n'ai jamais deux coupes.
Mais comme nous avons dit, nous sommes en vie en dehors de la petite bonite marchande de Salim, mais c'était une vie extraordinaire. Avec ma soeur, moi, Berlin, qui est là, que moi, j'ai censé 4 ans plus, mais c'est un coup, c'est petit, moi. Moi, j'ai gardé le cap grandi, le cap élevé. Nous toujours joué avec un pile amour, un pile affection et un pile attention, nous, dans l'autre. Je ne voulais pas quitter le dehors, même si je ne voulais pas quitter le dehors non plus. Ça, c'était décidé. Et jusqu'à présent, ici, là, aux États-Unis, nous présentons nous ensemble pour nous célébrer la vie et départ de notre mère, Marie-Louise Louis. Et je dis nous merci de tout profond de cœur, moi, pour la présence nous qui là, les gens qui sont loin, les gens qui viennent honorer Marie. Parce que, Madame Sam, vous connaissez les gens qui ont expérience belle-mère. Merci pour la compréhension, nous avons besoin de moment de silence. Ok. Je connais des gens qui ont expérience belle-mère. Excusez-moi. Marie, c'était une femme qui est vraiment extraordinaire. Pas mon jour. Pas même un jour, il t'a passé mal, comme si tu t'as frappé mal. Pour t'accaler, pour t'avoir un mauvais regard, un mauvais genre, comme belle fille. C'est alors que l'été vient prendre place dans la vie comme maman. C'est alors tout côté le passé, il n'y a pas de cas dans le cœur. C'est alors aujourd'hui, on m'a dit que ça non seulement t'a fait impact dans la vie, mais t'a fait impact dans la vie, les gens qui étaient dans toute zone. Okay? C'était une femme vraiment extraordinaire. Pas de petits gens qui aux alentours qui dormir sans manger, depuis Marie-Louise fait manger. Je dis, elle est toujours large, plein manger, par contre, pour qui est, c'est nous deux seulement avec papa. Il dit, non, vers 5 heures après, tout vient là. Et puis, ils sont venus, nous jouer, nous baillons manger, nous célébrer. C'est comme ça, la vie a été dans la zone la Tibonite. Dans une zone côté tout le monde, c'est famille. Tout le monde a un lien parenté d'une façon ou d'une autre. Souvent, ils sont venus avec la Tibonite, là où c'est femme la Tibonite, à le chercher, oui, parce qu'ils doivent être cousins. Parce que belle-mère, dans une façon ou l'autre, a une relation parentale avec maman Pam. C'est ça fait maman te gain confiance dans Marie-Louise pour te quitter dans main li, qui te fait l'empile confiance. Pendant que maman tout lui-même, ta belle-mère ou l'autre petite Maril, li c'était un bon belle-mère tout. C'est ça fait au doux sont plantés, c'est lourd récolté. Li t'a enchéri petite ou l'autre monde, pendant qu'on l'autre belle femme t'a enchéri petite pâle. Alors je dis assez avec un pile fierté. En pile cœur content, en pile amour, en pile bon souvenir, bon sourire, que n'a voué Marie-Louise aller. C'est une femme vraiment voyant, qui pas paix. Marie-Louise allait aller à 5 heures, les mêmes vers 7 heures, elle était là avec gros chaudière, durant pour le plein, manger by moun, elle pas quitter mon travail grand goût. Marie-Louise, depuis l'aveur, elle avait jusqu'à la fin. Même si elle a pli tonnerre ou bien de l'eau, mettez moun dehors, elle est là. Une histoire qui est vraiment touchante de toute ma vie. C'est quand l'homme est tombé dans le pied. C'est comme si j'avais l'âge 7 ans comme ça. Je fais plus de 2 heures dans le pied, il n'y a pas de monde qui connaît dans le pied. Nous avons sacré les puits, on sort de trous, il est épuisé pour prendre de l'eau pour servir. On puits très profond. Je fais plus de 2 heures dans le pied. Tu as cocoyé, tu as branché cocoyé et puis poisson à manger, puis tu as biche, bête à manger, puis tu as là pour plus de 2 heures de temps. Et puis c'est pendant un moment que je viens prendre de l'eau. Il a gagné sur la soif, frappé dans la tête, mais bon, je me dis, là, oui, ma tête, moi là. Il dit, qui est-ce que là? Il dit, je me dis, mille ans, moi là. Madame, nous commençons, les mille ans tombent dans le pied, mille ans tombent dans le pied, mille ans tombent dans le pied. La cour est plein, monde. C'est un bagage extraordinaire. Elle me sort, elle bat, elle prend, elle râle, elle met dehors. Et pour la croix, plein de monde. So, non seulement il sauve la vie, je dis à moi, où est-ce que c'est lui-même qui allait? Pas de l'or, pas de richesse qui était. Pas de bien matériel qui était. Mais il bon moins le partage de l'amour. Ok? Il bon moins générosité. Il bon moins patience. Et ça fait, je dis en tout, m'abdi nous. Merci en pile. Moi, apprécie nous en pile. Nous sommes tout l'autre côté, mais nous choisissons pour nous là, je dis. Hein? Et nous parlons en vain. Son monde, en dame, en femme, en maman, en sœur, en belle-mère extraordinaire. M'a dit nous merci encore.
rester avec toi aussi. Okay. Tu veux voler? Good morning. I'll be reading two passages, a biblical passage and a poem. Ecclesiastes chapter 3, verses 1 through 15. There's a time for everything and a season for every activity under the sun. A time to be born and a time to die. A time to plant and a time to uproot. A time to kill and a time to heal. A time to tear down and a time to build. A time to weep and a time to laugh. A time to mourn and a time to dance. A time to scatter stones and a time to gather them. A time to embrace and a time to refrain from embracing. A time to search and a time to give up. A time to keep and a time to throw away. A time to tear and a time to mend. A time to be silent and a time to speak. A time to love and a time to hate. A time for war and a time for peace. What do workers gain from their toil? I have seen the burden God has laid on the human race. He has made everything beautiful in its time. He has also set eternity in the human heart. Yet no one can fathom what God has done from beginning to end. I know that there is nothing better than for people to be happy and do good while they live, that each of them may eat and drink and find satisfaction in their toil. That is the gift of God. I know that everything God does will endure forever. Nothing can be added to it, and nothing can be taken away from it. God does it so that people will fear him. Whatever is has already been, and what will be has been before, and God will call the past to account. The poem of life. Life is but a stopping place, a pause in what's to be, a resting place along the road to sweet eternity. We all have different journeys, different paths along the way. We all were meant to learn some things, but never meant to stay. Our destination is a place far greater than we know. For some, the journey's quicker. For some, the journey's slow. And when the journey finally ends, we'll claim the great reward and find an everlasting peace together with the Lord. Thank you. Bonjour l'Église. Je vous dis tout le monde merci parce que nous venons. Merci parce que nous venons célébrer la vie de ma mère, qui c'est Rosemary Louise Louis Augustin. Ah.
maman. C'était une maman pour tout le monde. C'était un moment extraordinaire. C'était un moment qui a pile dans mon cœur. C'était un moment qui conservait bon Dieu, qui te remet bon Dieu. C'était un moment qui t'a servi. Pasteur, fais manger pour yo. Ba yo côté pour yo descendre, pour yo dormir. Servi missionnaire qui vini dans zone là. C'était un moment qui pas pareil. Maman chérie, livre-moi Dieu pour me camper, pour m'expliquer la vie. Moi, j'ai senti que cœur moi a chéri. Moi, j'ai senti que m'a chéri, il m'a gardé la vie. Malgré que je connais que c'est dans le ciel où je aller, parce que j'ai vu ce que tu as fait. Tu as fait un bon œuvre. Ou t'es aidé en pile monde. L'op manger ou pas manger pour compte. Ou manger ni à petit, ni à voisinage, ni à famille. Mami chérie, moi mon pile. Maman, mon seul petit, mon seul maman. Maman, vous pouvez tirer mon pile, vous pouvez chérir mon pile. Mais c'est mon princesse pour vous. Oh my God, yes. Je vais chanter tout bonheur moi dans Jésus-Christ. Christ pour moi. Moi, t'as aimé l'église campée pour aider à chanter ça. Malgré que je ne suis pas capable. Pasteur, vous aidez moi avec tout.
pastor l'église merci. M'a dit tout pasteur merci. Et m'a dit famille merci. M'a dit tout corps cœur travail moi. Tout amis mieux, tout monde qui participé. Qui venait célébrer grand jour ça avec la vie madame Rosemary Louise Louis. M'a dit nous merci. Thank you guys for your patience. Merci. Papa, bon Dieu avec nous. Bon Dieu béni nous. C'est vous qui nous demandez pour nous saluer, famille, pour lui. Nous saluons. Nous sommes vraiment contents pour la façon dont nous nourrissons cette vente-là. Et pas oublier pour nous dire, de Timothée 3, Matthieu 24. Papa, peut-être nos problèmes, nous disons, nous avons des choses à nous. Ce n'est pas encore la fin, mais le commencement de douleur. Arrangez-nous. Bon Dieu béni nous. Les épreuves yo vin, mande nou pou ki, nou bezwen soufri, ke a triste, outan les ot yo, ki antoure nou, apè rejoui yo, mèm nan peche, pi devan nan pwen, Jésus nan gwa li, Jésus sauveur,
Bien-aimé, levez tête nous, en gardez qu'il est lié, c'est pas le pour n'abdomi. Réveillez-nous, sans mander pour nous sourire, parce que l'île est avancée. Nous va pédir jour ça. En mettez en pratique message dernier temps ça. Si nous étions fidèles, si nous vainquions sous toute voie, nous gagnons espoir un jour na wè Jésus. Alayon, grand jour ça va y aller. Le trompette la va sonner pour tout le monde. Et crier, va gagner, réler. Où ça y est, qui part préparer. Oh bon papa. Pitié, ou pitié tout, you know.
capable en la perfection. Est-ce que nous avons espoir un jour pour elle face à face? Pas bien, nous célébrer, nous sentons notre grâce triste. Nous comprenons ça. Les gens sont morts triste. Mais c'est une célébration que nous avons fait matin. Nous allons célébrer ensemble. Nous mettons debout pour nous capables de chanter. La vie, moi, va finir. Et moi, j'en vais rivière. La vie moins va finir et moins j'en vais rivière. Les moins ouais briller en matin glorieux. Ma va connaître dans le cœur moins les m'arriver dans ciel là. Et sourire va pour moins en bienvenue. Les macambés bancos.
Que grâce et paix bon Dieu avec nous. Moi, partager peine avec famille, sœur Berlin, que bon Dieu bénisse. C'est un club que c'est pas tout le monde qui t'a voulu tourner membre club ça. Simplement voulu dire que nous comprenons, nous partager peine. Comme on t'a dit moi, quoi c'est 3 semaines de cela pendant que j'étais l'église là. Nan enterrement maman moins que j'étais joindre appel que maman on devancé ou. Et puis here we are again today. Et jeudi à 6 avril c'est anniversaire maman moi. So it's not easy. And I understand it firsthand. Pendant que nous réunis là matin, hein, n'a célébré la vie de sœur Rose Marie. Donc nous obligés parler de impact que la foi en Christ gagne sous la vie en monde. Ce Berlin t'est partagé avec nous que Psaume 23 c'est un passage dans la Bible que maman t'est pire aimé. Somme ça qui parlait de l'essence, confiance et la foi yon moun gen en bon Dieu. Et somme ça, c'est yon source de réconfort et de force que lié pour tout moun qui connaît Christ comme Seigneur et Sauveur. So Sister Berlin shared with me that Psalm 23 was her mom's favorite passage of Scripture. And this psalm was a source of immense comfort and strength for her mother throughout her life. It is in moments like these, as we face the reality of loss, in the pain of separation, that the words of Psalm 23 speak to our hearts with renewed significance. The Lord is my shepherd. Therefore, I shall not want. C'est un moment pareil. Il y a un moment de tristesse, un moment de deuil. C'est un moment côté n'a fait face à la réalité de la mort et à la douleur de la séparation. Que mot ça que nous joignons dans Psaume 23 capable de parler avec cœur nous. Matin, pendant que nous avons réfléchi à la vie de Sœur Rose Marie, nous avons demandé à la famille, nous avons demandé aux amis qui l'ont, pour nous capables de chercher réconfort nous dans ce psaume ça. Parce que le psaume 23 offre nous une image de la présence et de la providence ou bien de la provision inébranlable de Dieu. Psaume 23 invite nous à faire bon Dieu confiance comme berger nous. Psaume 23 invite nous à trouver la paix dans bon Dieu. Psaume 23 invite nous à joindre l'espoir du repos éternel dans la présence de bon Dieu. So let us draw comfort from God, who is ready to be our shepherd. And Psalm 23 offers us a picture of God's unwavering presence and provision. This psalm invites us to trust in God as our shepherd. It invites us to find peace in God's care. It invites us to hold onto the hope of eternal rest in God's presence. So please open your Bible apps to Psalm 23. As I will read it, since it was done already in French, I guess in English as well, right? So let's
Take a look at it. I'll read it again in English. Psalm 23. The Lord is my shepherd. I lack nothing. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside quiet waters. He refreshes my soul. He guides me along the right paths for his name's sake. Even though I walk through the darkest valley, I will fear no evil. For you are with me, your rod and your staff, they comfort me. You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil. My cup overflows. Surely goodness, your goodness, and love will follow me all the days of my life. And I will dwell in the house of the Lord forever. Amen. Et à chaque fois que moi lis Psaume 23, il m'a regardé dans quelle façon que David lui-même lui décrit bon Dieu. Et mot qui vient dans tête moi, c'est mot ça, nous va excuser moi. Audace. Moi ouais que David lui-même dit audacieux pour reler bon Dieu gardoli. Pour le bon Dieu, berger lui. Lui dit c'est bon Dieu qui a veillé sur lui. Et si c'est bon Dieu qui a veillé sur lui, David déclare, lui dit, il n'y a pas manqué en rien. It could be because of my understanding of what a shepherd is. A shepherd is not someone, at least in our culture, that we think of as someone with great stature. But David calls God his shepherd. And therefore, he says, he lacks nothing. The verb means that there is no lack or deficiency in the Lord's provision. Pas gen manquement dans provision Seigneur. Pas gen lacune dans provision bon Dieu. Because he is the God who provides. He is the God who protects. He is the God who guides. He says, the Lord is my shepherd. Et lorsque David osait identifier bon Dieu comme berger, lui communiquer des vérités profondes sous caractère bon Dieu même et aussi de relation que bon Dieu gagne avec peuple et lui-même personnellement. Gagne vérité de grande importance dans phrase ça, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. The Lord is my shepherd, I lack nothing. He says the Lord is my personal shepherd. It underscores a personal, intimate relationship with God. Et si c'est pas ça et ça que Sœur Rosemarie te pyrémé, donc moi même avec vous capable réaliser que li te gon relation personnelle avec bon Dieu. Pour le capable réaliser que c'est bon Dieu qui berger personnel li. So this morning in time of our mourning, we must pay close attention to this personal aspect of God who is here to offer comfort, reminding us that we are loved, reminding us that we are living under his personal care, his personal guidance, because he is our shepherd. Li fait nous comprendre David, que lui dit, lui-même, lui pas capable de fonctionner sans que lui pas en bas soin personnel de Dieu.
Deuxième grande vérité que nous jouons dans verset premier. He says, because God is his shepherd, therefore he lacks nothing. La caille bon Dieu, David voulait faire nous connaître une provision. There is assurance of God's provision. He says, I lack nothing. And that phrase alone must bring comfort to us. Telling us that in God's care, brothers and sisters, we lack nothing. Puisque c'est l'Éternel qui berger nous. Nous gain assurance de la provision de Dieu. Lorsque c'est bon Dieu qui prend soin de nous, nous bien garder. Et dans verset premier, nous joignons la suffisance et la présence divine. There is divine sufficiency in God's presence. Il affirme que moi-même avec vous, lorsque nous avons une relation personnelle avec mon Dieu, ça fait nous régler. And there's a Christian concept of peace. That we need to understand from the Hebrew word shalom. It refers to a state of wholeness, a state of well-being. This understanding of peace is deeply connected to the fact that God is sufficient. He is sufficient for every single one of our needs. Nous avons état de plénitude, de bien-être, lorsque c'est Seigneur qui veille nous, lorsque c'est Seigneur qui berger nous. Et David dit, puisque c'est Seigneur qui berger lui, il n'y a pas manqué en rien. Il y a une conviction personnelle de ça. Ça veut dire, quand il n'a pas qu'à payer, nous pas manqué en rien. Maladie a brongé nous physiquement, nous pas manqué en rien. Et même lorsque la mort a frappé porte nous, nous avons déclaré que nous pas manqué en rien. Pour qui raison? Parce que c'est le Seigneur qui a veillé nous. That takes faith. C'est pas tout le monde qui est capable de parler comme ça. C'est pas tout le monde qui a une conviction personnelle de ça. Ça veut dire chrétien qui connaît tout bon vrai que c'est bon Dieu qui a veillé là. Ou pas tendre la plainte lorsque bagaille ou pas marché dans façon que le t'a voulu au marché. Parce que le connaît que c'est bon Dieu qui possédait toute bagaille et par conséquent, même lorsque bagaille ou pas marché bien pour lui, il dit moi pas manquer rien pour qui raison parce que c'est Seigneur qui berger moi. Et ce témoignage ça que sœur Rosemary t'a voulu partager avec nous. Pour nous bien comprendre ça que moi je voulais dire frère Maxomio, pensez avec qui est David Deye. He is making this audacious and bold declaration that God is his shepherd and as a consequence he lacks nothing. Parole David. D'ailleurs lorsque on a pensé à qui est David Deye, nous songeons qu'il te prend la fuite contre Saül. He escaped. He feared for his life because of Saul's rage. David t'a vive tant qu'un fugitif. Il t'a vive dans caveau, dans cave. Nous songeons que d'un moment, David était grand goût. And yet, he is saying he lacks nothing. He experienced intense privation. He experienced deep personal poverty. He experienced severe adversities. He experienced personal and psychological grief. And yet, he says, since God is his shepherd, he lacks nothing. Yon nom qui gen expérience, li kon nan bezwen,
li te viv yon profond pauvreté personnelle, li comprenn de grave adversité, li konnen sa yo les chagrins personnels et chagrins psychologiques, li konnen sa sa rele grand goût. Et quand même, il déclarait que Seigneur a ses bergers, il est par conséquent pas manqué en rien. Ça montre nous que la vie chrétienne, non, c'est une vie pratique que lié Frère Maxime. C'est pas une vie que nous vivons dans un laboratoire. Pour nous-mêmes qui connaissons bon Dieu, tout bon vrai, nous obligés de passer dans mi-temps désert là. Pour nous capables d'expérimenter des moments difficiles, afin que la foi nous capable d'augmenter. Dans le caveau de privation, est-ce que nous capables de déclarer même parole ça yo, Seigneur a ses bergers, et par conséquent, moi pas manqué en rien. Nous devons comprendre, frère Maxime, dans mi temps problème, nous, bon Dieu, toujours un plan. Ça veut dire si nous grand groupe, bon Dieu grand plan pour ça. Si affaire nous pas bien mené, bon Dieu grand plan pour ça. To understand exactly what David is telling us in Psalm 23. Let's listen to what Paul also had to say. Apôtre Paul dans Philippiens chapitre 4, verset 10. And I'll just read it to you. Philippians chapter 4. This is someone who was in prison, not knowing if he'll ever get out. And we're not talking about 21st century prison here in the United States of America. We're talking about first century Roman prison. And this is what he wrote, Philippians chapter 4. Beginning with verse 10, Paul says, I rejoiced greatly in the Lord that at last you renewed your concern for me. Indeed, you are concerned, but you had no opportunity to show it. I'm not saying this because I'm in need, for I have learned to be content whatever the circumstances. I know what it is to be in need, and I know what it is to have plenty. I have learned the secret of being content in any and every situation, whether well-fed or hungry, whether living in plenty or in want. Verse 13, I can do all this through him who gives me strength. And then verse 19, he says, and my God will meet all your needs according to the riches of his glory in Christ Jesus. What a testimony. I know what it means to be in need. I know what it means to be hungry. I know what it means to be in dire situations. And yet, he says, my God will meet all your needs according to the riches of his glory in Christ Jesus. Ça, c'est témoignage d'un monde qui connaît tout bon vrai qui est qui berger, qui est qui garde. J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur. Est-ce que vous avez pu enfin renouveler l'expression de vos sentiments pour moi? Vous y pensez bien, mais l'occasion vous manquait. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela. Car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation. Je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette.
je puis tout par celui qui me fortifie. Et verset 19, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Quel témoignage. Et si sœur Rosemary t'es capable de témoigner matin, moi je suis certain c'est même bagaille là que le t'a dit. Puisque Psaume 23, c'est passage favori, l'Éternel est mon berger et par conséquent, je ne manquerai de rien. Est-ce qu'on est capable de faire la même déclaration? Lorsque les choses ne sont pas allées bien pour vous, est-ce qu'on est capable de dire la même parole? Ça m'apprendre à vivre dans l'humiliation et aussi m'apprendre à vivre dans l'abondance. Lorsque les choses sont bonnes, je vais bon Dieu gloire. Comme ça, tout, lorsque vous pas tellement bien en perspective, pas, m'a fait qui ça m'a obligé bah mon Dieu gloire tout. Dans toutes circonstances, je puis tout par celui qui me fortifie. Ça c'est parole au monde qui est en prison, qui pas même connaît s'il y a plagué, qui a écrit monde qui dehors, qui gagne toute liberté yo. Et puis dans verset 19 là, il pas penser de lui-même, il dit bon Dieu m'en capable de pouvoir à tout besoin pour yo selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Ça veut dire qui n'est pas de bagaille qui arrive m'en dans monde ça m'obligé par mon Dieu gloire pour lui. So David understood that. So that's why he said the Lord is my shepherd. As a consequence, I lack nothing. He says, I'm not craving or desiring anything more than what I already have. Because I'm content. M'a prêté nan pye li nan ki n'importe situation. Mwen pa fè one pot. C'est pour raison ça, auteur chant ça. Fait déclaration ça. Jésus, c'est toute bagaille pour moi. La paix, la joie, la vie. C'est lui qui force moi tous les jours. Moi, t'as tombé sans lui. L'aime senti triste, c'est lui qui me cherchait. S'il pas été là, ça moi t'a fait. L'aime senti triste. Qui ça le fait? Il fait me gay. Pour qui raison? Parce qu'elle est même. Et il continue, il dit, Jésus, c'est toute bagaille pour moi. Dans toute épreuve, chaque jour, malé côté pour bien faire, et il ban moi toujours, il voyait soleil avec la pluie. Il ban nos récoltes avec fruits. Soleil, la pluie. Lorsque tu es bon, nous baillons Dieu gloire. Dans mi temps la pluie à tout, pas le gloire. Et par conséquent, n'a pas connaît, puisque c'est lui-même qui berger nous pas manquer en rien. Nous pas manquer en rien. God is sufficient, brothers and sisters. He is all sufficient. In verse 2, quickly, David says, I experience eternal peace and rest. And if Sister Rosemary was able to speak this morning, that's exactly what she would say. She has found eternal peace and rest. La paix et le repos éternel. Parce que verset 2 a dit dans Psaume 23, il me fait reposer dans de verts pâturages. Non, bras Seigneur, non, mitan la mort. Pas gen pâturage qui pi vert que ça, frère Maxime. Il me dirige près des eaux paisibles. She is experiencing eternal peace right now. Eternal peace. In verse 3, souls renewal in righteous path. Il restaure mon âme.
pas gen plus grande restauration lorsque yon moun mouri en Christ. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Et puis David dit, puis quoi penser, c'est parce que moi mérité ça, non? Il dit, à cause de son nom. Frère Maxime, yo salut que nous gagnons. C'est grâce, mon Dieu, fait nous. Nous pas mérité. Mais à cause de monde que lié, à cause de réputation. Verse 4. Comfort, even in the shadow of death. Nous capables de joindre réconfort, nous capables de joindre confort dans l'ombre de la mort. David dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Et raison, car tu es avec moi. Again, as I've always said, you know, all of us who's here, if Christ doesn't return, guess what's going to happen? We will all die. Sorry, but that's life. We will all die. It's the fact of life. Now, are you able to say exactly what David just said in verse 4? When you walk through the valley of death, what's going to be your attitude? Because it's coming, ready or not, it's coming. But there's a difference between someone who is in Christ facing death and someone who doesn't have Christ facing death. There's a world of difference. Et raison qui fait que David dit, il n'a pas peur, au contraire, il est la mort, a shadow, l'ombre de la mort. Why? He says it. Because God is with him. So when your day comes, when your time of passing comes, not if, but when it comes, will you be fearful? And David says, the reason is clear. The reason he is not going to be fearful, even though he walks through the valley. First of all, David is telling us that the valley is not his final destination. He is walking through it because he has a greater destination. Towards verse 6, in verse 6, he tells us his destination is in the house of the Lord where he will dwell forever. Those of us who are in Christ, that is our final destination. And if you don't know Christ as Lord and Savior, you know, you need to quickly make that decision. Because as I said, it is not a matter of if, but when. In verse 5, David says, there is abundance. There is victory over death. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. You know, David had a lot of enemies. He was a man of war. He had a lot of enemies. And yet in verse 5, he says, this is what God does for him. God becomes his host. And God would place a table for him to sit down and chill and relax and eat in the face of his enemies. That tells us that's victory right there.
You know, if you guys know sports, right? If you know American football, what happens when someone scores a touchdown sometimes? They take the ball and they spike it. And that's what David is saying. In the face of his enemies, God just put a table for him to eat, for him to be well fed in the face of his enemies. And since we're talking about death, you know the last enemy? The last enemy is death, brothers and sisters. Dernier ennemi chrétien, c'est la mort. Et nous connaissons à travers la Bible, si nous en Christ, la mort pas capable de faire nous en rien. Et David continue, il dit, tu induis ma tête. That is blessing. Ultimate blessings in Christ. And he says, my cup overflows. If you know Christ as Lord and Savior, you're not just blessed, but you are blessed. You are blessed. You are blessed until your cup just overflows. Bon Dieu pas simplement béni nous et puis comprendre après ça il dit nous fin béni. Il fait non, il continue béni nous. As a matter of fact, one of my favorite Hebrew words for blessing does not even exist in singular form. Qui montre nous lorsque mon Dieu a béni frère Maxime, il a vidé des bénédictions sur nous. And David says his cup overflows, ma coupe déborde. Et puis il dit oui. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. When we analyze this verse in the original Hebrew, it says that God's love pursues him. In other words, God will not give up until he reaches you and blesses you for the rest of your life. And David is using military vocabulary here because he was a soldier, so he knows. He knows that when he's after his enemies, he won't stop until he finds them. And he's using the same terminology here to express how God's love will pursue us until God himself finds us. God's mercy and grace will pursue you if you are in Christ all the days of your life. Et si tout bon vrai psaume 23 comme Sœur Berlin dit non c'est psaume favori de Sœur Rosemary, c'est témoignage ça que le gain pour nous matin. Le bonheur et la grâce de Dieu poursuivent lui juste dans l'éternité. Et s'il était capable parler matin et ça le tab dit et j'habiterai dans la maison de l'Éternel, jusqu'à la fin de mes jours. Again, these are the blessings of those who know Jesus Christ as Lord and Savior. Sou pa konnen Christ, parole sa yo pa pou. Parole sa yo pa pou. And when your day comes, it'll be too late if you don't know Christ. But if you know Christ as Lord and Savior, even in the midst, even when facing death, you will not be fearful. As a matter of fact, you will say the same words as David himself said. Because the Lord is your shepherd, you lack nothing, even in the face of death. Sister Berlin, toute reste famille, que le Seigneur est capable de continuer à faire nous grâce. Que le capable toujours rete avec nous, suer de l'eau dans genou. It's a long road ahead. I'm living in it right now, I know. But it makes a world of difference knowing that we have eternal hope in Christ Jesus. And it does. May God bless you all.
Nous pas besoin peur battre maintenant non. Nous applaudir. It's okay. The Lord is my shepherd, I shall not want. C'était Somme favori sœur Rosemary ou même là on pas connaît est-ce que l'autre là c'est shepherd ou bien ou capable même Jean avec sœur Rosemary côté te dit l'Éternel c'est gardien on pas manquer rien. The Lord is my shepherd, I shall not want. Est-ce que vous ta rien me dit ça jodi hein? Si gen moun là qui beaucoup accepter Seigneur qui beaucoup connaît si ou toujours l'église que ou beaucoup jamais fait rencontre avec Seigneur. Moment favorable à li jodi an, c'est pour na ou pas besoin honte gen moun ki disponible pour capable faire ça pour prier avec ou et puis c'est comme ça ou a dit l'Éternel est mon berger je ne manquerai de rien. The Lord is my shepherd, I shall not want. Non pas mettez fin dans programme nous pas chanter pour qui moun parle cristal ça ou pas ta mais parler cristal ça pour la donne tout même Jean sœur Rosemary kouni ali nan parler cristal li. Mettez-nous debout pour nous chanter dernier soif là. C'est un bel palais. Oh, avec un pichet en or. Pour tout le monde qui voulait aller avec Seigneur Jésus. Allez, un bel jour, ça va y aller. Christ s'est levé. Pour tout le monde, Christ s'est levé. Pour y aller encore.
Mettez-vous. C'est un bel palais cristal. Avec qui ça? Avec un pile chaise, hein? Pour tout le monde, hein? Qui voulait aller avec qui est-ce? Avec qui est-ce? Avec qui moun? Avec Seigneur Jésus. Nan mo sa rien passé pour garde moi. Pour nous dire merci à la famille lui d'avoir côté fait choix de nous-mêmes pour qu'il t'accompagne dans la célébration de la vie de sœur Rosemary. Nan nos frères saint amant et tout staff à la funéraire nan nous dit condoléances à sa famille et à tous les amis qui affectés par deuil ça. Du courage. On travaille parce que grand jour qui va venir. Jour ça, pas bien chagrin. Pas bien nuage dans ciel là. Ni goutte de l'eau pour t'obliger. Ça fait moi mes chants ça qui dit qui grand jour. Jour glorieux, jour ça va. Fait cœur content. On va enchaîner immédiatement avec fleur présentation nous côté que n'a commencé sous votre droite nous. Rest in peace from PC Ministry of Pastor Jackie Vincent. Fleur station courtoisie de Pasteur Jackie Vincent. Rosemary, allez, que ton âme se repose en paix. Une courtoisie de Widlin Alexis. Grandson, grandma, we will never forget you. It's from Rudolph and Ridley Benoit. You will be forever in my heart. From Ferrelus family. In loving memory. From Joseph family. Nous avons remarqué que Fleur a même campé, mais Fleur a même les coucher. Fleur a un premier symbole, un symbole de rappel. Pour faire songer qu'un jour, je suis Rosemary te chita même j'envoie, mais je dis à l'écou, les coucher. Qui pourra appeler même tout un jour pour retrouver au même côté. Haïti, une date qui marque tout Haïtien, nous ne pouvons pas oublier. Date ça est le 12 janvier. Grand pile monde qui était chita. Et non seconde après. Et par contre ça t'a pas arrivé. Hier matin non tellement pendant que il a prêché en puis en dedans moi un moment pasteur a campé sec. Il par contre ça t'a pas passé. Il voit lumière en l'air absu. Il par contre ça t'a pas arrivé. Après quelques secondes nous t'entendez ça t'est passé. Par contre futur par même. Il y a en même temps fleur de sensibilisation. Lorsqu'on nous a aimé, bat toute importance pendant que l'envie. Fais-le connaître combien important pour vous. Portez fleur pour lui. Moment la soeur Rosemary par une chance pour le fleur ça. Vous voulez dire, futur par vous même, seconde après elle par vous. Soyez pour faire pour le monde, fais-le. Que bon Dieu bénisse. Immédiatement que nous sortons là dans l'église, nous avons pris dans le cimetière. Cimetière, nous prenons aller, hein? Hollywood Cemetery, 1621 17th Avenue, Union, New Jersey. S'il vous plaît, si vous arrivez dans le cimetière avant nous, pas rentrer dedans. Retenez-nous sur Stevenson Avenue pour nous rentrer ensemble. Grand pile enterrement qu'a bien je dire là qu'a rentrer dans même le noir, nous pas voulez créer des ordres. N'a fait preuve de discipline. Mais comptez sur nous. Est-ce que mettre compter sur nous? Nous pas rentrer, pas vrai? Nous connaissons nous ces monde qui sage qui discipliné. Clé succès à l'aide funéraire, nous sommes dans la même famille qui fait nous confiance. Et dans ce sens, nous voulons dire merci et quitter en même temps avec une blanquette en signe de remerciement et de souvenir. Sœur Rosemary, le mot nous manque pour vous dire à quel point vous allez nous manquer. Mais nous aimerions que vous sachiez que chacun de vos sages conseils resteront toujours gravés au fond de notre cœur. Bon Dieu dit, Job te dit un bagay qui fort. Il dit, bon Dieu baille, bon Dieu prend. Et que non, bon Dieu? Et que non, bon Dieu? Immédiatement, nous sommes dans le cimetière. Famille, nous remercions personnellement pour tout support que nous avons.
They would like to thank you personally for all your support. They invite you to get back to the church. Pas dans l'église là non, dans salle de réception en bas. Côté que une réception préparée spécialement pour même en signe de remercie, en signe de remerciement. Bon arrivé côté que nous pour quitter l'église là après dernière prière la bénédiction, soit il a fait comme ça. N'a demandé tout le monde s'il vous plaît, restez chita non, dans place où pasteur a marché devant, casquette là suivre lui. Et milieu de famille, là, pour commencer, il y a suivi pour nous sortir. Que bon Dieu bénisse nous. On nous mettait debout pour prière finale et bénédiction. On a envoyé un mot de condoléances à la famille qui est affectée. Papa, nous disons merci pour grâce, nous disons merci pour bon temps envers nous-mêmes. Merci Seigneur pour miséricorde. Merci parce que vous êtes un bon Dieu qui est lent à la colère et vous êtes riche en bonté. Et merci Seigneur de ce que vous pas quitté nous, mais on te voyait seul, petit que vous avez gagné, pour bailler vie pour nous-mêmes, afin pour être capable de gagner la vie éternelle. C'est la plus grande façon que vous êtes capable de démontrer l'amour envers nous-mêmes, Seigneur, lorsque vous faites ça. Et nous disons merci Seigneur de ce que nous avons l'opportunité de ça pour nous capable offrir vie nous comme yon offrande pour nous même pour capable servir avec nous de façon que nous capable. Aidez-nous Seigneur pour nous capable faire ça chaque jour dans vie nous pour nous capable remet même façon que vous t'ai remet nous là vous t'ai fait grand geste ça Seigneur. Our Father, we know that you are a God of comfort, you are a God of security. We would not pretend today that we do not hurt as Sister Berlin is hurting. We know the agony of grief, and we do grieve. But thank God that we do not grieve as the world grieve who has no hope. We have a great hope. We have the blessed hope. And our hope is assurance. Assurance that we will have eternal life with you only because of the work of the blessed hope, which is Jesus Christ, our Lord and Savior. And this is why, our Father, we call upon you in this time of pain. We call upon you in this time of loss to bring comfort, to bring hope to these families who are grieving, whom you love. We ask this not because we are deserving, but because as a pop, Apostle Paul said in his word that you are a God of comfort. You are the Father of all mercies, and you are the God of hope. Make your strength known in this time, O God, and in turn, we will continue to praise you. We ask this in the name that is above all name, the name that has conquered death. We ask these things in the precious name of the Lord and our Savior, Jesus Christ. It is in his name that we pray. Amen. Let us receive the benediction. May the Lord bless you. May the Lord comfort you. May the Lord make his face to shine upon you and give you peace. May the Lord turn his face toward all the families that are hurting and give you peace, both now and forevermore. Amen. S'il vous plaît, ou même qui fait d'or pas, faut petit gens à retirer machine parce que vous avez un ticket après finira la fin sortie. Songez sous faire d'or pas, ou capable mouvement machine. Merci. Hey, un bel jour, la vie va finir. Voltige qui bat quoi, ma
Thank you.